je viens de parler avec mon ami qui a dit vraiment que ce spectacle l'avait bouleversé, qui a rappelé des souvenirs, puisque son, je peux dire, hein, son père a été arrêté par des policiers français quand elle avait 5 ans. Et elle a trouvé que cette comédienne revivait ces moments, et en particulier la fraternité qu'il pouvait y avoir, et puis ce monsieur aussi qui est son mari, que vraiment ils sont sortis émus, mais aux larmes de ce spectacle. Véritablement très impressionnant. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas le sujet, je suis venu totalement par hasard, on va dire, parce qu'on m'a emmené, mais vraiment très très touchant. Et jouer, enfin, c'est ce que je dis, c'est une pièce mal jouée, ça doit être, c'est impossible. Et là, c'est prenant de la première à la dernière seconde. C'est vraiment et historiquement à voir. Moi, j'ai trouvé que c'était une interprétation exceptionnelle et sur un sujet qui était à la fois délicat et, je pense, avec des textes aussi assez difficiles. Et si l'interprétation, enfin, si la comédienne n'avait pas eu les talents qu'elle a eu, je pense que c'est un texte qui aurait eu beaucoup de mal à passer autrement. Et c'était une surprise parce que, à titre personnel, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ce sujet qui soit autant développé. Je voyais pas forcément Marie-Claude sous cet angle-là. Donc, au point de vue, encore une fois, interprétation, je dirais que c'est un sans faute. C'est aussi une très bonne révision de l'histoire de ces moments particulièrement difficiles. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi de remettre au goût du jour ces moments. Et puis il y a des moments où c'est quand même assez poignant aussi, enfin, où elle est très émue. Et bon, donc ça, c'est son rôle de comédienne, évidemment. Mais pour moi, enfin, le côté humoristique ne m'a pas gêné du tout. Je pense au contraire que ça fait du bien de temps. C'est beaucoup moins lourd que c'était. La pièce, elle s'était très bien interprétée. Et puis vraiment, ça nous a replongé vraiment dans cette histoire. C'est quelque chose. Je suis contente d'avoir fait partager cette pièce à mes amis, parce que je trouve que c'est vraiment formidable. Il y a un très très beau travail, une belle mise en scène, beaucoup d'émotions. Et puis, c'est une part d'histoire qu'il ne faut pas oublier. Je suis contente de faire partager à des amis cette pièce. C'est vraiment superbe. Très très bien joué, c'est magnifique. Parce que j'ai trouvé du sentiment et de la naïveté en même temps. Moi, je peux dire que j'étais petite fille, hein, j'avais 4 ans. Vous voyez, j'ai suivi un peu de choses. Après, voilà. Je suis complètement bouleversé de voir que tout ce qui s'est. D'abord, c'était bien interprété, c'était bien. Moi, ça m'a ému beaucoup, beaucoup ému. C'était formidable. Ah. Enfin, moi, je me suis retrouvée petite fille, une vente de milliers. Des bêtises comme ça. Ouais. Et avec. C'était très, très bien. Très bien fait. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et je trouve que ce spectacle est un magnifique hommage et qui s'actualise tout à fait avec tout ce qui se passe en ce moment sur la résistance et le bien fondé de ce genre d'action, quoi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'avais les larmes aux yeux à la fin du spectacle, et pour moi, c'est quelque chose qui m'a rappelé ce que j'ai entendu dans ma famille. Mon père était résistant tout en étant gaulliste. Et je retrouve une lutte qui se fait encore actuellement, hein. Là, c'était la lutte contre les Juifs. Je trouve que maintenant, la lutte contre les immigrés, elle est la même, hein. On a encore des choses à faire, hein, actuellement. On a encore beaucoup à se battre, hein. Et franchement, c'est un spectacle que j'ai apprécié, que je n'oublierai pas. Ouais. Le spectacle qu'on voit ici, pour moi, c'est un des meilleurs. Mais j'ai été un peu plongé dedans étant jeune, et il y a beaucoup de choses que je connaissais. Mais la présence sur scène de l'actrice, je veux dire, il n'y a rien à redire, parce que l'addiction, superbe. Les idées qu'elle transporte, quand on vient, on sait à quoi on va s'attendre, ou alors on est naïf, on vient pas voir un match de foot. Hein. Et ça. C'est très bien joué. Très très bien joué. J'ai apprécié. J'ai été vraiment bercé par le spectacle. Le Muguet, pour nous, c'est important. Et c'est vraiment, ça marque, c'est des étapes dans notre vie, c'est vrai. Et
impressionné puisque je suis fils de résistants déportés et c'est une interprétation formidable.